pouvez éteindre ce truc ? Norman Jaden, FBI. Je peux vous parler une minute ? Je vous écoute. On va à l'intérieur ? Je cherche le propriétaire d'une Chevrolet Malibu 83 bleue. Je me fous de savoir comment cette voiture est arrivée ici. Ce que je veux, c'est le nom de celui qui l'a conduit. Désolé, je dis rien du tout. C'est pas ce qu'on appelle une bonne mémoire. Je peux peut-être vous aider à vous rappeler. Si cette voiture appartient à celui que je cherche et qu'on découvre que c'est vous qui lui avez vendu, je vous jure que vous allez passer plusieurs années à l'abri de la pluie. J'ai pas vu votre bagnole, ok ? Vos menaces à la con n'impressionnent pas. Maintenant, dégagez. Du sang. Pourquoi est-ce qu'il y a du sang ici ? Pointure 42. Probablement un visiteur. Pointure 45. Sûrement la pointure de Mad Jack. C'est pas la voiture que je cherche. Les empreintes de Mad Jack. Rien d'étonnant, il crache ici. Les traces de sang mènent vers le bac d'acide. Pointure 42. Probablement un visiteur. La même marque de pneus que la voiture que je recherche. Est-ce que la voiture du tueur est passée dans ce hangar ? Thank you.
pas la bonne voiture non plus. Harry commentaire. Trace diffuse de pollen d'orchidée à l'intérieur du garage. Des traces de peinture bleue. La même marque de pneu. Pas de doute. La voiture du tueur est passée ici. Tes mains sur la tête. T'as de la chance, j'ai pas le temps de m'amuser. Devoir régler ça rapidement. Jouer. Maintenant, tu vas me dire qui est l'homme à la voiture bleue. Va te faire foutre, tocard. Je vais te donner une deuxième chance avant que je me mette vraiment en colère. Ah ouais, et tu vas faire quoi? Te passer les menottes, me lire mes droits? Ah, j'ai peur. Espèce d'enfoiré, tu m'as pété le nez! C'est ta putain de cervelle que je vais exploser si tu me dis pas ce que je veux savoir. Tu crois peut-être que tu me fais peur? T'oseras jamais tirer. Hé hey! T'es complètement malade ou quoi? T'as essayé de me buter? J'ai pas arrivé. Si je te descends, il y aura légitime défense. J'ai comme l'impression que je vais commettre une bavure. Hé, hey, hey, arrête, ok, c'est bon. Déconne pas, mec. Reste cool, je vais te dire ce que tu veux savoir. Je sais rien sur ce type. Il voulait que je me débarrasse de sa caisse sans laisser de traces, et que je lui en trouve une nouvelle avec des fausses plaques. Il m'a payé cash. J'ai pas posé de questions.
vais prévenir un certain Paco dans un club qui s'appelle le Goulagoon quand la caisse serait prête. C'est tout ce que je sais. On va aller parler de tout ça au poste. T'es en état d'arrestation. Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que... Maintenant. Tout ce que tu diras pourra être retenu. Hey. On dirait que t'as un problème, mec. Je pensais pas qu'ils acceptaient les caméos, FBI. Mais où va le monde? Va voir, je vais te soulager de ton petit problème de drogue. Définitivement. Thank you.
pensez que c'est le tueur aux origami qui a tué l'antiquaire? Ça me semble plausible. Vous voulez sûrement l'empêcher de parler. Vous croyez que Gordy Kramer en est capable? Lui ou un de ses hommes de main? Gordy a le temps et les moyens. Et il a l'air suffisamment tordu pour faire ce genre de choses. Ça n'en fait pas un coupable pour autant, mais... ça en fait au moins un suspect. Ce sont vos dossiers sur l'enquête? Oui, ça fait 2 ans que je suis sur cette affaire. J'ai amassé pas mal de paperasse. Des magazines sur les origamis. Vous pensez que le tueur a pu s'abonner à ce genre de revue? S'il s'est intéressé aux origamis ces 30 dernières années, son nom est sur cette liste. Sauf qu'il y a plus de 500 noms là-dedans. Ça nous avance pas beaucoup. Je meurs de faim. Vous avez quelque chose à manger? Je suis pas un cordon bleu, mais je peux vous faire des œufs brouillés si ça vous dit. Très bien. Je suis trempée, j'ai besoin de me réchauffer un peu. Ça vous embête si je prends une douche? Je vous en prie. La salle de bain est à côté de ma chambre. Je vais préparer les œufs pendant ce temps. Les œufs doivent être assez cuits maintenant. Je me suis permis d'emprunter votre peignoir. Être comme chez vous. Vous vous êtes débrouillé comme un chef, ça a l'air bon. Qu'est-ce que c'est? Le calepin que j'ai pris chez Manfred. D'après ce qui est écrit, une 30aine de clients auraient acheté des pièces détachées de Royal ces 10 dernières années. Le tueur est peut-être l'un d'eux. Vous savez, aller les voir un à un et vérifier leur emploi du temps, ça risque de prendre du temps. Sauf si on arrivait à les recouper avec la liste. La liste des abonnés au magazine d'origami, vous l'avez toujours? Oui, oui, mais attendez. Si le tueur s'est bien servi d'une machine à écrire Royal et qu'il a été abonné à un magazine sur les origami, son nom doit se trouver sur les deux listes. Enfin, Ren... Oui, en théorie, c'est possible. Enfin, je suppose. Son nom est là, quelque part. Aidez-moi, on va vérifier.